directement au journal de mission. Docteur Yoon au rapport. Ils sont arrivés de nulle part et ont tué Sunny et Warren. Ils ont dû s'échapper d'Arcas, piégés pendant des décennies. Après avoir évolué et s'être adaptés, ici dans l'obscurité. J'ai contacté Malheur et demandé une évacuation immédiate. J'espère qu'elle enverra vite de l'aide. Ça va me mener à la colonie. J'espère que Danny est là-bas. Merde, y a pas de courant. Ces câbles, ils doivent mener à un générateur. Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure OFX sur Callisto Protocol avec l'épisode 12 comme d'habitude, 4K 60fps, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, et on est parti, on suit les flèches, le but étant de, vous l'aurez compris, rallumer le courant. Et je me suis rendu compte avec l'épisode précédent que j'ai gâché beaucoup trop de balles pour des petits caca comme ça. Sachant que ça c'est vraiment le bas de gamme de bas de gamme du monstre. Même si moi ça me paraissait intuable ce merdier.
à cause des tentacules. Vous l'aurez compris. Il fait quoi, il boude ou quoi, le ref? Ok. Alimentation, vous l'aurez compris. Je pense qu'on va passer un très mauvais moment tous ensemble. Retour, vous l'aurez compris. Ça me paraît presque trop évident. Hop, ça je prends. Bon bah mon ref, repose en paix. En espérant que la paix... Oh, salopard, wesh. Donc on peut les tuer quand ils sont l'un à côté de l'autre. C'est ça? Ah, on se casse, hein, tranquille. Hein. Moi ça me gêne pas, hein, frérot. Hein. En fait, faut faire tout le jeu accroupi, quoi. En fait, tu peux presque les toucher, leur gratter le dos ou autre. C'est pas très gênant. Ah! Bon, ça c'était évident, hein, fallait qu'on tombe dedans, bah oui, bah, un épisode égale une attaque anale, hein, ça me paraissait logique. Ok, donc ça on revend, superbe, très bien, et ça, du Callisto crédit partout, ne pas toucher à haut. Pas touché à haut. Ok. Bizarre. Vous avez dit bizarre. J'ai trouvé le générateur. J'espère qu'il fonctionne toujours. Se faire casser la gueule, ça marche toujours bien. Ne pas faire de bruit. Don't make a sound. Ok. Et là, y'a quoi là derrière la porte? Ah, y'a rien. Ok. J'ai fait le L2-3. Quelle arnaque, mes aïeux. C'est pas grave. Comme d'habitude, je me fais arnaquer. Ça commence à bien faire, toutes ces histoires. En fait, on peut pas l'avoir par derrière, hein, vous l'aurez compris. Beaucoup trop agile. Il n'est pas dupe. Ah, qui c'est qui se gratte la top contre le métal, là? Oh la vache. Alors ça, c'est des couilles bien pleines. Ça, je reconnais, les gars. Ça, c'est le genre d'anus qui t'attaque. Tu n'es pas prêt. Bon, ça c'est que des monstres très très chiants. Oh. Alors, attendez. Rester au pistolet. On a récupéré beaucoup de munes.
hasard. Quel enfer. Ok. Non mais c'est où cette putain d'électricité, les gars? Mais c'est pas possible. Faut sucer qui pour remettre le courant? J'ai déjà plus de batterie, juste en envoyant un mec, frérot, dans les pics. Faut vraiment que j'augmente ça, parce que c'est terrible. Mais ça coûte si cher. J'ai l'impression que le dernier pistolet qu'on a débloqué, il est nul, il est nul. Ok. On se casse. On va remettre l'électricité. Inch. Ça clignote. Je pense qu'il faut l'utiliser. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Comment ça je peux rentrer là? J'ai l'impression à chaque fois que je vais... C'est terrible. Ok, une pièce secrète ou quoi? Je ne comprends pas. J'espère qu'il y aura une belle échelle. Oh les gars, je me suis... Ça aussi, ça m'énerve. Frérot, tu fais un pas de trop, tu glisses, ça te fait tomber ton perso de la plateforme, tu peux plus remonter. T'es juste en mode, c'est un peu chiant quoi. Je sais pas ce que j'ai loupé en haut, j'ai dû louper des dingueries partout. Même derrière, il y avait un autre chemin dans la mine. Tellement aléatoire. Des fois, les passages. Merde, tu commences à me faire chier. Voilà, merde. C'est comme se battre dans un trou de balle, les gars. Putain, on voit rien, c'est étroit. Ça va, toi? Moi, je voulais t'éclater la gueule. D'être une pièce secrète encore. Hein. Ça a l'air d'être une putain de pièce secrète. Non? Ça a l'air d'être une pièce secrète, ça. Hein. Ok. Ah oui! Ok, c'est donc bel et bien une pièce secrète. Superbe. Oh là là! Oh ça, oh ça. Bon, j'ai gagné un trophée. Je crois qu'il y avait écrit le lien continue, j'ai pas fait gaffe. Vu que je me fais attaquer par tous les anus du monde. Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. On va en découvrir un petit peu plus, je suppose. Beaucoup ça. Pièce secrète numéro 2 de Yannick Sage. Ok.
D'accord, superbe. Le lien commun existe. Hein? Mais attends, comment je repars en arrière, moi? Parce qu'il me semble qu'on pouvait pas remonter. Bon, bah écoutez, pièce secrète numéro 2. Il doit y en avoir sûrement 3, max. Plutôt cool. Et là, c'est pas par ici qu'on remonte. Putain, mais c'est par où? Je suis dans la merde. Non? Ok. Ah, c'est sûrement par là. D'accord, superbe. Superbe, superbe, superbe. Ok, on a trouvé. Nous, revoici au générateur. Et nous, on a été là-bas. Hein. On vient de là-bas, si jamais. Ok, là, il n'y a rien. Il va falloir mettre on sur tout ça, ce qui va sûrement activer beaucoup de gens. De gens très énervés et très énervants. Faites votre sélection. Alors... C'est beau ça, 1000, ça dégage. Vendu. Vendu! Alors attendez. Parce qu'il y a ça aussi hein, à améliorer qui peut être pas mal hein, à chaque fois. Hein. Augmente la capacité énergétique maximale. Ok. Améliore le taux de recharge en utilisant des matériaux. Augmente davantage la force de lancer. Ok. Bah, moi je veux ça moi. Je suis désolé, mais là, je suis obligé d'améliorer le gant, hein, parce que le gant, c'est catastrophique. Hein. Ok, ok. Assurance qualité effectuée. Ça, c'est fait. Donc, on aura un petit peu plus d'énergie. Et ça, c'est quoi, ça? Maximalise, ok. Brise le bras, si, officier. Il y a trop de choses à améliorer, c'est terrible. C'est terrible. Ok, quand on donne autant de munitions, c'est ça va swinguer. Allez, on remet le courant. Let's go. Oh là là. On dirait que les trois disjoncteurs sont connectés au générateur. Oh là là. Oh là là. Forcément, ils ont pas modélisé une salle avec des gros générateurs pour rien. Va falloir y aller. Trouver le premier disjoncteur. Quelle angoisse. Oh, les quêtes de disjoncteurs. Presque envie de te dire que ça fait disjoncter, frérot. Ok. Là, va y avoir des grands méchants pas beaux, étant donné qu'il y a des pics, hein, tu l'auras compris. Allez, go. Et le deuxième disjoncteur, il y en a trois. C'est la merde. Hein. En plus, ça fait une sorte de musique très relou là quand on tue. Ça fait que t'es en mode qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est? Pas saisi toute l'opportunité de notre attaque. Non, c'est là-bas. Attends, c'est où que ça joue? J'ai pas pigé. Attendez. Pousse.
crois avoir pigé finalement. Non, c'est là. Attends, je comprends pas. Ok. Non, ça doit être sûrement en haut. Ça doit être toujours en haut. Bon. Écoutez, je pense qu'on va peut-être tourner un petit peu en rond parce que là, j'ai pas saisi. Ou alors, j'ai loupé une échelle, peut-être, je sais pas. It's possible. Tout est possible de toute façon. Mais je vois pas pourquoi faudrait quitter cette pièce pour aller dans une autre pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, elle est là-bas l'échelle. Ok. Ok. Tout à l'heure, je te cherche. Bon, toi, je vais te laisser t'amuser. On se retrouve en bas. Hein. Tu reprendras, comme tu sais si bien le faire, une petite bouche. Ah bah il est là le deuxième. En plus, il est direct en bas. Incroyable. Ah oui. Toujours plus les mecs. Ok. On a le temps, on est bien les gars. À la cool. À la cool. Par contre, faut venir monsieur. Faut bien prendre son coup de couteau. C'est beaucoup plus agréable pour tous. Merci. Ok. Et je sais qu'il reste le cadavre juste à gauche, ne vous en faites pas. Ok. Il y a beaucoup de monde là. C'est est-ce que je suis mort? J'ai dit la question que le français pose, c'est est-ce que je suis mort? Waouh! Ça fait beaucoup là, non? Hein, écoutez, je suis quelqu'un de très patient, de toute évidence. Les galères. Ok. Bon. On s'en sort plutôt pas trop mal.
Ok. Et là, il reste un générateur. Alors, va le trouver, mon ref. Ah putain, je crois qu'on l'avait vu. Il était à une sorte d'échelle ou en hauteur. Je crois qu'on l'avait vu. Ah bah voilà. Ah ouais, putain, heureusement qu'ils ont mis les flèches parce que... Tu confonds avec les débris, alors c'est un peu la merde. Ok. Ça, ça dégage. Nickel. Allez! Parfait! Retourner sur cette plateforme. Mise sous tension. Oh la vache, les baisses de FPS. Jacob, t'es là? Le courant vient de revenir dans la colonie. Renforce le signal. Oui, je t'entends. Je me dirige vers la colonie. Je te contacterai quand j'y serai. Je dois rester discret pour l'instant. Sois prudent, on se revoit bientôt. Ok. Quelque chose. On est déjà passé par là. On va encore tuer 5 ou 6 au même endroit là. Je vois le truc arriver à 2 km. On va faire tout le tour au calme. Hein. Alors toi mon ref, je t'apprécie énormément, mais tu fais peur à personne. Maintenant que j'ai compris qu'avec le couteau... En fait, moi il fallait juste que je sache la range et quel effet la discrétion fait vraiment sur le jeu. Mais en fait c'est hyper important d'être discret. Maintenant que j'ai compris ça, je vous le dis, hein, c'est... Ça change tout le jeu en fait. Plus besoin d'utiliser 4000 balles. Faut ma dose. Oh la vache. Ok. Et ça, y a quoi là-bas là? Faut que j'aille voir impérativement. Oh. Ok. Ah, Docteur Xian, encore what? Ces choses, ils les ont tous tués. Toute mon équipe, massacrée. J'ai essayé de redémarrer cette vieille plateforme pour revenir à Arcas, mais il n'y avait pas d'électricité. Je peux les entendre. Ils sont partout. Ils se rapprochent. Docteur Malheur. Saviez-vous ce qui se trouvait ici? Le saviez-vous? Ah!
Ok. Allez, on va prendre ce petit brownies. Ok. Bon, en vrai, les amis, on peut s'en remettre un, étant donné qu'il y en a un autre ici. Oh. On peut pas aller là-dedans? Non. Et ben voilà, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Pardon. Ouais mais... Ah d'accord. En fait ils ont prévu que j'aille à droite normalement après. Sauf que je m'en bats les couilles, on l'a déjà fait MDR. Donc on se casse. Oh la musique. Oh là là. Ok, on a eu chaud. Ok, ok, ok. Allez, salut mon pote. Non, quoi? What? Oh, je suis choqué. Ouh. Putain, c'était juste. Il est de ouf. Oh la vache. Regarde là, ça clignote dans mon... On comprend rien derrière la tête. Ça clignote, j'ai quoi? J'ai des trucs ou j'ai rien expliqué, les gars? Merde. Ok. Alors attendez. Ok. Brise le bras s'il bloque. Ah, d'un officier. Et de manière responsable. Allez, on améliore un peu la machette. Machette! Let's go! Retirer l'objet de la chaîne d'impression. Bon, on va un peu se calmer maintenant sur les modifs. On a l'air réellement pas trop mal en vrai. Quoi qu'il y a ça! Augmente davantage la force de lancer. Ouais, 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 on va se calmer les gars, on va se calmer. Il y a ça! Améliore la stabilité. Oh là là, il y a trop de trucs. Allez, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures dans Callisto Protocol. Bye bye. Ouf, c'est chaud, hein. C'était très très chaud, hein.